Chaque année en France, 2000 cas de cancer sont détectés chez les moins de 18 ans. Des cancers du sang et des organes lymphatiques dans 40% des cas. Le reste concerne des tumeurs. Au centre Oscar-Lambret à Lille, le service oncologie pédiatrie est l'un des plus ambitieux de France. Nouvelles thérapies et accompagnement des patients, les équipes tentent chaque jour d'améliorer le quotidien des enfants. Et ça passe par une prise en charge psychosocio-éducative avec des cours de sport, notamment auprès d'un coach sportif, des activités physiques adaptées à l'enfant pendant et après le traitement. Le sport comme un complément à la prise en charge déjà existante de la part des psychologues, éducateurs et assistants sociaux. Louis Caillé s'est rendu dans ce service qui traite chaque jour le cancer chez l'enfant. Le fait d'être un éducateur sportif, quand on rentre dans une chambre, c'est beaucoup plus simple au niveau de la relation. Ils ont moins peur, moins d'appréhension. Ils disent voilà, il y a quelqu'un de sympa qui arrive, il fait proposer des jeux, des activités physiques. Et donc il y a vraiment une relation qui se met en place et ça permet aussi d'avoir des informations qui peuvent être importantes. Et donc on est vraiment un relais entre le patient, donc l'enfant, et le médecin. Améliorer le bien-être, leur qualité de vie, c'est vraiment les objectifs principaux. Après, tout ce qui est au niveau hormonal et tout ça, c'est pas le problème pour l'instant. C'est vraiment qu'ils se sentent moins isolés au niveau de l'hôpital, qu'ils pensent à autre chose et qu'ils s'amusent. Voilà.